Aujourd'hui, mon rapport au corps est assez fluctuant, ça varie beaucoup. Je peux me regarder le matin et me dire « Oh là là, t'es horrible, cache-toi !» tu vois. Et d'autres moments où je me dis « ça va et je peux me kiffer un peu ». Quand j'étais enfant, ça a été, c'était une jouissance de mon corps et de mes sensations. Je ressentais tout très fort, de mes sensations, de mon corps et sans jugement. Je pense que, tu vois, je faisais de la danse moderne jazz et c'est un grand plaisir, tu vois, la danse, le fait de bouger son corps. Et à un moment donné, on a dû faire des mouvements un peu plus sexualisés. Je pense que je devais avoir 12 ans. Et c'était des mouvements un peu plus, je sais pas, ouais. Tu remues tes fesses et tout. Et du coup, je me suis plus sentie très à l'aise. Et puis je sentais que ma mère posait un regard différent sur moi aussi. Le corps qui change, le fait que t'aies tes règles. ma mère, tu vois, elle me voyait plus comme une petite fille, mais presque comme une concurrente en fait. Et je me souviens qu'une fois j'avais eu des coups de soleil sur les jambes et je me passais de la crème sur les jambes parce que j'avais mal quoi, tout simplement. Et je me suis pris une gifle et ma mère m'a dit « Ouais, t'essaies de chauffer mon nouveau mari. » Enfin, et du coup tu sens la bascule que pour ta mère t'es plus la petite fille, t'es une concurrente. Enfin, c'est horrible, c'est violent. Et surtout que toi, tu penses pas à ça. Et du coup, le regard que tu poses sur toi, c'est plus un regard... c'est plus intérieur et dans le sens de tes sensations. Ça devient un regard extérieur de contrôle et de surveillance. Et je me disais, faut que je fasse gaffe à ce que mon corps me trahisse... Enfin, trahisse pas des choses obscènes ou que je maîtrise pas, tu vois. On me dit que, tu vois, les ados, ils vivent mal leur puberté. Ben, moi, j'ai envie de dire, c'est ma mère qui a mal vécu ma puberté, tu vois. Bah du coup, après les règles, tu grandis plus trop. Et j'étais très petite, donc ça n'annonçait pas grand-chose de très positif pour ma taille. L'écart de taille s'est creusé au fur et à mesure des années. Je suis restée très petite et ça, on me l'a beaucoup renvoyé quand j'étais petite. C'est beaucoup foutu de ma gueule. 1m53. Et du coup, c'est un âge où t'as envie de te faire des potes, d'être acceptée, d'être aimée, d'être... Et c'était tout l'inverse, quoi. Rejet, moquerie... Tu vas aux soirées, on se fout de ta gueule sur ta taille. C'est pas une remarque, c'est on se fout de ta gueule genre « Ah, ça serait drôle si on mettait Marina à côté de la personne la plus grande. Genre pour comparer, ça serait trop drôle. » Par exemple, on pouvait me dire « Mais pourquoi tu mets pas de talons si j'avais des chaussures plates ?»« Pourquoi tu mets pas de talons Tu devrais mettre des talons. » Si je mettais des talons, c'était « Ah, tu mets des talons pour cacher le fait que t'es super petite. » Et si tu mettais des talons intermédiaires, on disait « Ah, tu mets des talonnettes pour pas trop que ça se voit !» Enfin, tout était analysé sous le prisme de ma taille, vraiment. Parce que je me rappelle que la première fois que je me suis foutue à poil devant un gars, il m'a dit « J'ai l'impression d'être un pédophile. » Parce que j'avais pas de poitrine quand j'étais petite. Et tu ta gueule, tu te sens à poil, t'es déjà à poil en fait, mais tu te sens plus qu'à poil quoi, c'est... Mon dieu. Tout ça, tu le reprendras plus tard. Le conseil que je peux donner, c'est que tout ça, tu le reprendras plus tard sous la forme d'œuvres d'art. Et tu auras énormément de choses à dire et à transformer, et ce sera très beau. J'avais ce truc aussi quand j'étais plus jeune, enfin on me disait, il faut pas que tu grossisses, parce que déjà que t'es toute petite, si en plus t'es grosse, là tu seras foutue quoi. Là, tu seras vraiment foutu. Tu te dis, mais... Oh là là, le regard de surveillance et de contrôle, hyper fatigant. J'ai beaucoup de mal à faire confiance et j'ai un petit côté parano, peut-être. De croire que j'ai des amis, parfois, et de me dire, oh non, mais derrière mon dos, ils doivent trop me dégoûter, tu vois. Ouais, trop se dire des trucs, je sais pas, cette impression que ça serait plus difficile de m'aimer, peut-être. Ouais. Tu vois. On me pose souvent la question de mes origines, et c'est d'ailleurs la première question qu'on me pose quand on me rencontre. Je pense que c'est une bonne entrée en matière selon plein de personnes. À l'adolescence, c'était particulièrement, comment dire, violent, dans le sens où j'avais des mecs qui venaient vers moi en me disant, par exemple, oh, « Dis-moi que t'es japonaise, dis-moi que t'es japonaise, je me suis jamais tapée de japonaise !» Tu vois, comme si t'étais un plat exotique à bouffer. Avec l'idée aussi que t'es asiatique, donc tu vas fermer ta gueule, t'es soumise, t'es effacée, qu'il y a une forme de, je sais pas, tu vois, tout le stéréotype. Ce que je prenais mal, c'était plus le fait qu'on vienne vers moi pour goûter un plat exotique dans une idée de consommation ou de collection. Presque un fétichisme. Je me suis tapé une rousse, je me suis tapé
une noire, je me suis tapée une asiatique, j'ai pas fait encore, tu vois. À l'adolescence aussi, le regard des hommes autour de toi te sexualise à fond, quoi. Et c'est comme si tu disais, mais non, mais moi je suis pas prête, quoi. Enfin, arrêtez, c'est bon, j'ai rien demandé. Et il y a vraiment un changement de... T'es plus une enfant, quoi. On te fait sentir que là, il faut que tu fasses gaffe à... Je sais pas, pas faire de pose obscène, quand t'es assise, faut que tu serres les jambes. Je sais pas, il y a un truc de contrôle et de... À la fois, t'es très sexualisée. Non, je me rappelle d'une fois où j'avais voulu répondre, ouais. Tu vois, à ce truc de... Le mec qui te poursuit, vas-y, donne-moi ton numéro, nanana, et tout. Tu dis non poliment une fois, deux fois, trois fois, tu continues à te faire suivre. Et je lui avais dit, à un moment donné, écoute, on dit non, tu continues à entendre oui, je sais pas quoi te dire, quoi. Ouais. Et il m'avait giflé. Et du coup, il y a aussi ce truc de... T'as pas le droit d'exprimer clairement ton refus. Sinon, tu te prends une punition. Tu vois ce que je veux dire? La punition un peu... Ouais, bien humiliant, quoi. Et c'est cassé après, ouais. Donc tu te fais quand même gifler dans la rue parce que t'as répondu, donc t'as vachement peur après de répondre. Par rapport à cette question de la taille, le gros souci, c'est que ça m'a vachement désocialisée et que petit à petit, ça, c'était un argument pour pas faire les choses. Tu vois ce que je veux dire? Ça devenait un prétexte, en fait. Par exemple, je me suis refusée à faire du sport ou des pratiques sportives parce que je me disais « Ouais, mais je suis trop petite, donc si je vais à la salle de sport et que les machines, elles peuvent pas être à ma taille, tu vois ?» Des trucs comme ça. J'anticipais le pire, exactement. J'anticipais le pire et du coup, ça me tétanisait dans tout ce que je faisais. Et du coup, je pense que même si on a un rapport compliqué à soi-même, faut quand même essayer d'aller de l'avant. Et pourquoi pas s'essayer à des pratiques sportives ou faire du yoga, de la méditation. Parce que le sport, moi, ça m'a permis de développer un rapport à mon corps beaucoup plus sain et bienveillant. Enfin, je te fais du bien, quoi. Je te fais du bien et c'est moi, ça. Apprendre à arrêter de se comparer aux autres meufs, tu vois, juste te dire, ok, moi je suis cette personne, elle c'est une autre personne, tu vas arrêter de te comparer tout le temps, comme ça scanner les... Tu sais, on apprend le regard qui scanne comme ça, les autres meufs. Arrête avec ça, quoi. Et c'est aussi la forme que t'as et voilà, c'est juste une forme, il faut la... Enfin, c'est assez dur finalement de le dire comme ça, mais... Essayez de pas poser de jugement là-dessus. Tu vas dire que c'est ta forme. Va, vis et deviens, tu vois. C'est bon.